Centuries ago, mankind discovered a way to transfer consciousness into a new body, making death a mere inconvenience. Since then, we've been providing an unparalleled pedigree of human sleeves to only the most discerning clientele. Adaptation des romans de Richard K. Morgan par la scénariste de Shutter Island, Laeta Kalogridis. La série Carbone modifiée nous transporte au 26e siècle alors que chaque être humain est doté d'une puce contenant sa conscience, laquelle peut être transférée dans un corps après la mort. C'est ce qui arrive à Takeshi Kovacs, terroriste qui, après avoir passé 250 ans sur la glace, ressuscite dans la peau du policier Elias Riker. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies. To live eternal life. Poursuivi par l'ex-partenaire et ex-maîtresse de Riker, Kovacs doit enquêter sur la mort d'un homme riche qui aimerait savoir s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné. Avec ses décors empruntés à Blade Runner et à Total Recall, la série a des airs de déjà-vu. Multipliant les scènes de torture sanglante et les scènes à caractère sexuel, la série se révèle très tôt racoleuse. De plus, sa direction artistique est de si mauvais goût et le jeu si caricatural que par moments, on a l'impression d'être dans une version futuriste de Dynasty. Well, we're all in danger. I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want. Bref, il y a peu d'humour et peu d'humanité dans cette série qui laisse présager un avenir sombre pour l'homme et impitoyable pour la femme. Alors, on regarde ou pas Carbone modifié? Non, la vie est trop courte.